Docteur Seynabou Ndiaye Fall, vous êtes le médecin-chef de la région de Saint-Louis. Vous recevez un appui de plan au moment où la région enregistre son 7e cas. Effectivement, la région aujourd'hui enregistre son 7e cas positif. Et c'est dans ce cadre que nous continuons cette lutte et que nous mettons en œuvre ce plan de contingence. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement de la situation régionale? Oui, actuellement, il faut dire que nous avons, à partir de notre cas positif de jeudi, 27 cas contacts qui ont été identifiés et qui sont suivis à Kumbabang. Nous avons eu le premier cas contact positif de ce cas qui a été diagnostiqué samedi et qui lui aussi est hospitalisé au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis. Donc il y a deux patients qui sont actuellement pris en charge au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis. Di wax ni deug la amna ñu juroom ñaari cas ci légui région bi. Ben bi 6e bi ñu ko enregistré jeudi. 7e bi ñu enregistré ko samedi, mu nek cas contact positif bu cas bobu. Ñu ngi hôpital régional, ñu leen di suivre actuellement. Ci kaw lolu amna ñu ñaar fuk ak juroom ñaari nit yo xamné yi jot nañ leen ci yobbu Kumbabang pour di leen saytu. Kon jamono yi ñu jottu na soccant di continuer faire bi. Waaw, comme ni ngeen ko déggé rek ci communiqué national bi, xex bi tay lañ ci gëna tek suñu tank, gën ci farlu am yo xamné jumtukaay yu bess ak tereleen yu bess yo xamné war nañ ko ci def pour vraiment affaire bi ñu mën ko daan niñ ko waré daan.